Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Life is Smart, le premier rendez-vous télévisuel dédié au business du divertissement. Vous connaissez forcément les invités qui sont sur ce plateau, mais vous ne savez pas forcément comment ils gèrent l'entreprise derrière leur succès. C'est la question qu'on pose ici et c'est la question qu'on va leur poser. Et c'est avec Angelo Gopé, bonjour. Bonjour, bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue messieurs, Jean, Laurent. On va commencer par Jean. Parce que vous faites un anniversaire aujourd'hui, les 10 ans de Top Chef. C'était donc, ah oui. bon anniversaire. Non, c'est un problème. Donc non, oui. Ça fait 10 ans. C'est quand même assez incroyable parce que quel chemin parcouru. On ne va pas parler de quitter ce que tu fais. Mais... Ça fait bizarre quand il parle sérieux, j'ai du mal. Mais Comment ça va être le cas. Ok. Avec du recul, 10 ans, ça te fait quoi? C'est vrai que je me disais un truc hier soir, je suis rentré quand même tard, mais Top Chef n'était pas fini. Et j'ai regardé la fin vite fait et je me disais que ce qui est beau dans cette émission, déjà j'étais très content de le gagner, c'est un concours quand même culinaire, certes c'est filmé, mais ça reste un concours culinaire, mais surtout être heureux d'avoir fait quelque chose après ça. Parce qu'en fait, ce qui est dur, c'est de transformer, en fait, voilà, c'est quand même un concours qui passe à la télé, donc c'est dur d'enchaîner sur quelque chose. Et voilà, je suis content de continuer à avancer. Laurent ? Laurent, oui. De Gourcuff, pardon, du coup on aura du mal ici, on ne vous voit pas. Patron de Paris Society, homme très très discret, je suis vraiment honoré. C'est moi qui suis honoré. Sincèrement heureux que tu viennes, on ne te connaît pas. Donc Paris Society, aujourd'hui l'un des plus grands groupes de la restauration. Est-ce que tu peux juste rapidement introduire, expliquer ce que c'est et les champs d'action de Paris Society? Alors Paris Society, historiquement, c'est plutôt le métier de la fête. Encore une quinzaine de clubs et de lieux festifs, principalement à Paris. Deuxième job historique, l'événementiel, 14 lieux. Et enfin, troisième métier, celui qu'on développe le plus en ce moment, la restauration. Ces trois métiers s'ajoutent progressivement à l'hôtellerie, mais l'hôtellerie, de la même manière qu'on exploite nos restaurants et nos lieux événementiels et nos clubs, l'hôtellerie un petit peu atypique, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors peut-être citer des noms de vos établissements pour que tout le monde se rende compte qu'en fait on vous connaît par le biais des endroits. Pour les clubs, on peut parler de Castel, on peut parler de Rasputin, les Planches, le Madame, Bagatelle, etc. Pour les lieux événementiels, ça parlera moins au grand public parce que c'est surtout de l'événementiel privé ou institutionnel. Et pour les restaurants, Monsieur Bleu, Giraffe, Moon, Apicius, Gigi, Bambini, j'en oublie certainement, mais voilà, une quinzaine de restaurants, bientôt une vingtaine d'ailleurs. Alors, avant qu'on passe la parole à Jean, on parle des restaurants, il faut quand même avouer que, on va revenir sur l'événementiel après. T'as révolutionné la restauration aujourd'hui. Avant, on parlait une grande époque des chefs stars, et c'était d'abord le chef avant le restaurant. Aujourd'hui, t'as créé des concepts de lieux qui sont assez incroyables. Pourquoi ce changement? C'est une volonté, c'est un goût assenti, c'est arrivé comment? Alors, déjà, je trouve qu'il faut rappeler que la restauration, c'est un métier difficile. Ce n'est pas mon job de départ. Moi, je suis plutôt issu du milieu de la fête, même si je ne suis pas un fêtard. Et j'ai imaginé faire de la restauration il y a une dizaine d'années, mais surtout en partant de lieux forts et de spots. Des grandes vues, des terrasses, des lieux un peu incroyables, un peu iconiques, un peu emblématiques. Et évidemment, quand on a le lieu et une terrasse, parce qu'il faut rappeler que notre métier est en train de devenir saisonnier. Quand il n'y a pas de terrasse dans la restauration aujourd'hui et qu'arrive le 1er mai, jusqu'à à peu près fin septembre, ça devient très difficile. Le Covid a encore accentué cette difficulté, tout le monde veut être à l'extérieur, et dès que les beaux jours arrivent, à partir du moment où les premiers beaux jours arrivent, ça ne s'arrête plus jusqu'à la fin du mois de septembre, grosso modo. Donc j'ai capitalisé, Paris Society a capitalisé sur des lieux extrêmement forts. Moi aujourd'hui, je suis évidemment un chef d'entreprise, mais ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est de créer des lieux. Je suis en quelque sorte un chercheur de lieux. Quand je trouve un lieu où j'y mets de la fête, où j'y mets de la restauration, où j'y mets de l'événementiel. Et souvent, les trois métiers en même temps. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est un métier très difficile et j'estime que la qualité d'un lieu ou du lieu fait déjà 50% du job. Ce qui ne veut pas dire que les autres 50% ne sont pas importants, mais quand il y a la moitié du boulot qui est fait, on peut se concentrer sur l'autre moitié, à savoir la décoration, le service, l'ambiance, etc. Donc Paris Society, c'est quoi? C'est une collection de lieux, de restaurants bien sûr, tous différents. On n'a pas de synergie. À chaque fois qu'on commence un projet en restauration, on recommence à zéro. Il n'y a aucune carte qui se ressemble dans aucune de nos maisons. Avec quand même en filigrane et en fil conducteur, l'amour des toits terrasses et des rooftops. Bien sûr, l'amour des terrasses principalement, des toits également. Pas facile de trouver parce qu'on est surtout à Paris, mais rappelons que l'architecture haussmannienne ne s'y prête pas, parisienne ne s'y prête pas beaucoup. Sur une vingtaine de lieux dont je rêvais il y a à peu près 10 ans,
On en aura bientôt chez Paris Saint-Denis, peut-être 15 ou 16, on ne les aura jamais tous, mais on arrive un peu au bout du Monopoly. Alors justement, là, on part de Lyon, on revient à l'essentiel de la restauration avec les chefs. Jean, toi, ça a été... tu viens d'ouvrir aujourd'hui le restaurant du Palace. Un rêve après des années. Avant de reparler du restaurant et de ce que tu as mis dedans, parce que je pense que le concept est intéressant, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du Plaza et toi ? Parce que les gens ne la connaissent pas, mais je pense que c'est une histoire qui était quand même écrite depuis un moment, et je pense que c'est important dans l'esprit des gens de dire que quand on rêve à quelque chose et qu'on s'en donne les moyens, on peut réussir. Oui, c'est vrai que c'est une longue histoire. Moi, j'ai souvent rêvé de ce palace. Moi, je suis un enfant de banlieue parisienne et de Bretagne. Donc, c'est vrai que quand je suis petit, que je passe avec mes parents à Dumontaigne, qu'on regarde le Plaza avec ses fleurs rouges et de ça, ça fait un peu rêver. Et j'ai eu la chance, quand j'ai ouvert mon restaurant à 22 ans, un petit truc du destin, le directeur général du Plaza, François Delay, qui est toujours le même d'ailleurs, il mangeait en terrasse et ma maman lui a renversé un verre de vin rouge sur la chemise. Et bon, ben voilà, c'était gênance absolue. Et il m'a donné sa carte, maman me l'a amené en cuisine. Et en fait, je vois marqué, voilà, patron, Plaza, Meurice, Bel Air, tout ça. Je dis mince. Et j'ai décidé de lui écrire un petit mot, de lui offrir un livre. Pour l'anecdote, un livre sur l'histoire des maisons closes à Paris. Et mais un beau livre, hein, un livre sympa. Bah, tu l'as d'ailleurs. Non, mais un beau livre en moumoute, quoi. Et il m'a dit, ah, trop marrant votre livre. On déjeune ensemble. Et c'était à 20 ans. On est devenus, entre guillemets, amis, on s'est souvent recroisés, tout ça. Et moi, j'ai toujours suivi l'évolution du Plaza avec ce chef incroyable, Alain Ducasse, qui était en place. Et j'ai souvent mangé. Et dans un coin de ma tête, je me disais toujours que peut-être un jour, je serai le chef. Enfin, voilà, j'en rêvais. Et maintenant, j'y suis. Et j'ai même du mal à réaliser parfois parce que, voilà... Bah, tu me connais, hein, je me balade dans les coulisses, voilà, et parfois je me demande si c'est vraiment moi, mais c'est moi. Et pour revenir, l'arrivée au Plaza, c'est pour expliquer aux gens aussi, ça vous a demandé du travail, c'est-à-dire que vous avez dû proposer un projet vraiment argumenté, 200 pages, qu'est-ce qu'on va faire, etc. C'est-à-dire que là, on vous voit évidemment à la cuisine, chef, etc., mais derrière, il y a un vrai travail en place, quoi. Bah pour le coup, il n'y avait rien qui était fait. Il y a un an, par exemple, je ne savais pas du tout. Angelo, qui m'aide, a suivi ça. Même Laurent, je lui en avais parlé. C'est vrai qu'il faut construire un dossier. Je n'ai pas suivi l'adage de Laurent qu'il faut un peu avoir quelques infos en avance. Mais là, je n'en avais pas vraiment, on va dire. J'étais confiant. En fait, je la sentais bien, cette histoire, même si je savais qu'il y avait d'autres chefs dessus. Mais concrètement, on vous demande quoi dans ce dossier ? Parce que c'est un dossier d'environ, entre 200 et 300 pages en anglais, avec y a des chiffres, y a un projet, il y a une histoire. En fait, je pense que l'ADN d'un projet, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter dans un lieu. Au même titre que Laurent, il disait, il gagne un lieu. Il disait, par exemple, si moi, je connais un peu, on a déjà gagné certaines choses ensemble, comme Roland-Garros, etc. Quand on raconte une histoire, qu'on fait vibrer les gens au-delà des chiffres, je pense que les gens se projettent dans notre histoire et se disent, bah ouais, c'est cette histoire que je veux pour ce lieu. Et le Plaza, finalement, c'est un lieu auquel je voulais raconter une histoire française, une histoire historique, une histoire de patrimoine, d'authenticité. Et je pense que ça matchait parfaitement avec ce que voulait la direction. C'est aussi un alignement des planètes, hein, toutes ces histoires. Mais est-ce que tu peux en parler, justement ? Parce que là, on parle d'un concept, on n'est pas sur une terrasse, on est dans un hôtel. Et tu as créé aujourd'hui, dans l'hôtel et dans le restaurant, un concept où tu es revenu aux sources de ce que doit être aujourd'hui pour toi la gastronomie. C'est ce que je ressentais sur ce moment-là et dans ce lieu-là. Je dirais que si demain, on prend un lieu à Tokyo, à Dubaï ou je ne sais pas où, ce n'est pas la même chose qu'on veut raconter. Là, pour moi, on est en plein cœur de l'avenue Montaigne. Je sentais que c'était l'ADN qu'il fallait raconter dans un palace. Mais si on prend un lieu de Laurent ou un autre lieu, je pense que ce n'était pas forcément la même histoire. Mais là, ça matchait bien. Je trouve la cuisine française a été un peu trop... est magnifiquement utilisée dans plein de bistrots, dans plein de brasseries, tout ça. Mais j'avais envie de revenir à ces valeurs sur un palace. Un palace, c'est aussi l'image d'une ville. C'est aussi un touriste étranger qui va venir dans notre ville, qui se dit, j'ai envie de manger une grande cuisine française. Où c'est qui va actuellement ? Voilà, j'avais envie de créer cette envie au Plaza Athénée. Pour revenir à ma question, combien il y a de métiers derrière le terme de chef, en fait ? Parce qu'en faisant le dossier, le manager, évidemment la cuisine, la créativité. Non, combien de métiers vous devez faire pour occuper les postes que vous occupez aujourd'hui ? Mais les deux filles qui travaillent avec moi, qui sont juste à côté, elles disent qu'on est 20 à l'intérieur de moi. Donc je ne sais pas s'il y a 20 métiers. En tout cas, il y a le métier de cuisinier qui reste la base. En vrai, je pense qu'il occupe au moins 50% du temps. C'est-à-dire que le métier de cuisinier, c'est création des plats, fédérer tout le monde autour de soi dans les équipes.
goûter aussi, se projeter dans qu'est-ce que c'est qu'un plat au moment où il arrive sur table. C'est jamais la même expérience quand on le mange en cuisine que quand on le mange dans la salle. Ensuite, il y a beaucoup de métiers de management finalement, parce qu'il faut gérer. Et là, on se rejoint, comme disait Laurent, la restauration, c'est un métier très difficile, avec où on drive d'un seul coup 100, 150 de ce mois au Plaza Athénée, 500 personnes, on drive beaucoup de monde d'un seul coup. Donc, faut gérer les égos, les envies, les gens qui ont envie de monter, les gens qui... Voilà, faut juger toutes les susceptibilités. Et après, bah oui, il y a tout à gérer, les réseaux sociaux, l'organisation, les partenaires, l'image, voilà, c'est vous, plein de choses. Vous n'êtes presque pas assez d'être 20 en vous-même, ouais, c'est ça, 20 c'est... Non, c'est beaucoup de choses. Après, j'ai la chance d'être avec des gens autour de moi qui sont hyper bienveillants. Moi, je suis pas trop, peut-être je suis un peu dans mon couloir, Laurent disait la jalousie, c'est vrai que tout est compliqué aussi dans le métier, c'est très... parisien, mais je suis plutôt, moi je suis plutôt dans, je me sens tellement heureux dans tout ce que je vis, qu'en fait toutes les choses qui m'atteignent pas vraiment finalement. Alors, avant qu'on fasse un petit break, Laurent, petite question, on est, comme il a dit, un très parisien au départ, et là tu commences à aller en dehors de Paris, il y a eu Saint-Tropez cet été, il y a Val d'Isère, donc c'est vraiment un développement national. Ou c'est toujours pareil, toujours les spots, comme tu l'as dit. Alors, c'est, encore une fois, des spots, oui, parce que, encore une fois, les spots incroyables, avec des terrasses ou des vues, ou les deux, avec des rooftops à Paris, on arrive un petit peu au bout. On a la chance, chez Paris Society, d'en avoir pris beaucoup. Aujourd'hui, on va développer les marques qu'on a installées dans ces lieux forts, marques fortes parce que dans des lieux forts, on va les développer, effectivement, dans un premier temps, en province. En province, là où nos clients vont. C'est les stations balnéaires, ça peut être Saint-Tropez, ça peut être Megève. On est à Marseille, on va bientôt aller à Lyon, etc. Dans un troisième temps, on va aller développer ces marques à l'étranger. Mais encore une fois, on va arrêter de créer des marques, puisque après, il faut quand même les développer. C'est dur, parce que quand on ouvre un nouveau restaurant à Paris, on repart vraiment à zéro. Nouvelle déco, nouveau concept culinaire, enfin, tout est nouveau. Et surtout, rien ne doit trop se ressembler. Parce que le but de ce qu'on raconte dans Paris Society, c'est qu'un étranger, ou même un Parisien, qui veut faire sa semaine dans des restaurants différents, il peut aller chez Paris Society chaque soir, et chaque soir, il aura une expérience différente. C'est ça qu'on essaie de vendre aujourd'hui, et c'est ça qui fonctionne. On est effectivement à Saint-Tropez, on a développé cette marque qui s'appelle donc Gigi, qu'on a ouvert à l'ancienne, en lieu et place de l'ancienne Maison Blanche, à côté de chez Jean, avenue Montaigne, qu'on vient d'ouvrir à Val d'Isère, à 2600 mètres d'altitude, dans l'hôtel le plus haut d'Europe, et qu'on ouvre à Megève l'année prochaine. On est en train de signer un endroit extraordinaire à Dubaï pour développer Gigi aussi. On va développer la nouvelle marque qu'on vient d'ouvrir qui s'appelle Maison Russe, qu'on a ouvert à Paris cette année. On va la dupliquer l'année prochaine à Saint-Tropez, et probablement aussi à Maison Russe à Londres. On vient d'ouvrir aussi un restaurant à Londres qui s'appelle Louis, et là pour le coup, c'est la première fois qu'on ouvre d'abord une marque à l'étranger, et on va l'importer, on cherche un lieu pour l'importer à Paris. Mais on va bientôt avoir en restauration une quinzaine, peut-être bientôt une vingtaine de marques. Ça va probablement s'arrêter là. Et après, l'idée, c'est vraiment de développer ces marques. Alors donc, tu ne vas pas focaliser sur une ou deux marques. C'est vraiment d'en développer plusieurs. Oui, c'est développer ces 15 marques-là. Par exemple, à Lyon, on développe la marque Coco, parce qu'on est dans un bâtiment historique, comme les Cocos à l'Opéra dernier. Donc, on va développer un Coco à Lyon. À Saint-Tropez, il se trouve qu'on est tombé sur une villa classée dans le centre de Saint-Tropez, avec un jardin incroyable. Cette villa, on peut raconter l'histoire de la maison, et donc de la Maison Russe qu'on a ouvert à Paris dans un hôtel particulier. Donc, ça va être Maison Russe à Saint-Tropez. On s'adapte en fonction des spots. Moi, je ne me dis jamais, ah tiens, je vais aller ouvrir un restaurant oriental, par exemple. Je trouve un lieu, et en fonction du lieu, et ce qu'il offre, et ce qu'il permet, on va développer un concept et une marque. Et peut-être pas forcément la restauration, ça peut être le festif, etc. Mais d'abord, on part des lieux. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier difficile, vraiment difficile. Donc quand on part déjà avec un lieu qui est un lieu fort et avec beaucoup d'atouts, ça nous permet quand même d'aller développer tout le reste qui est aussi important. Justement, on va parler un peu plus avant, tout à l'heure, de ce qui est l'hospitalité, hein, puisque finalement, vos deux métiers représentent ça. Mais d'abord, on avait des petites questions à vous poser. Si possible, répondre du tac au tac, un peu d'art, un peu rapide, avec spontanéité. Et puis, si vous voulez partir en live, c'est avec plaisir.